Yo les potes, Sensio, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'ouvrir 5 packs mini teens destinées radieuses. Ils étaient dans des emballages, mais je l'ai enlevé pour que ça soit plus rapide. Du coup, je vous montre le dos destinées radieuses, on le voit en haut. Donc, ça contient 2 boosters destinées radieuses, une pièce métallique, donc c'est les jetons, et une carte artistique, donc c'est les illustrations comme ça, mais en carte. Donc, il y en a 5, je vais vous les montrer une par une. La première, c'est Zaroud en normal. Avec blanc coton shiny, pardon. Ici on a Reshiram avec je sais plus son nom, mais c'est Flambino, je sais pas quoi, en shiny. Ici on a Manaphy avec je sais plus son nom non plus, mais en shiny. Celui-là en shiny avec Celebi en non shiny et Kyogre avec Frissonille. Je crois leur nom c'est Gorithmic, les Argus et Pyrobut, ouais je crois que c'est ça. On va commencer au pif. Hop, le premier, on s'en fiche. Il y a des petites ouvertures ici pour ouvrir. Hop, voilà. Alors on a quoi? On a déjà un jeton de Manaphy. Donc je sais pas si ça a un rapport parce que la boîte c'est la boîte de Manaphy. Parce que d'habitude dans les boîtes ils mettent des jetons aléatoires. Mais là on a Manaphy. Hop, on a la carte Manaphy. Et du coup c'est comme ça derrière. Oh c'est dommage, d'habitude elles sont pas comme ça les cartes. Ok, et on a 2 boosters. Allez. Hop, et hop. Il n'y a rien d'autre dans la boîte. Après, on peut fermer. Hop, je vais l'acheter là-bas. On va tout mettre à côté. Hop. Ah non, regardez, j'en étais sûr. Comme par hasard, le premier qu'on ouvre, c'est Manaphy et on avait un jeton Manaphy. Mais en fait, ça n'a aucun rapport. Hop. On referme le deuxième. Hop, le troisième, attention, est-ce qu'on a un autre jeton? Encore Manaphy, dommage. J'aimerais bien en avoir un différent. Je sais pas du tout si on peut en avoir d'autres. Hop. Les boosters. Hop. La quatrième. Manaphy encore. Moi, je vais en avoir plein des Manaphy. C'est les billes. Hop, les 2 boosters. Hop, on ferme. Hop, on a Kyogre ici. Manaphy encore, hop, Kyogre juste là, et 2 boosters. Hop, c'est parti, on ferme. Du coup, voilà les 5 jetons, c'est les mêmes. Je vais les mettre là-bas. Et là, on a les 5 illustrations. C'est pas un puzzle, donc c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Dans les autres teams, d'habitude, c'est des puzzles. Et on a 10 boosters. On espère avoir des petits trucs bons. Je sais pas du tout le quota, s'il est bien ou pas. On va voir ça ensemble. Et c'est parti. Pour le premier booster, j'espère avoir soit une shiny full art, soit une secrète, mais pas des ultra normales ou des shiny ou des petits shiny, j'aime pas trop. Je préfère les full art. Du coup, c'est parti. Et des cartes qu'on n'a pas, évidemment. Hop. 1, 2, 3, 4. Hop là. Énergie. Oh. Badaboum. Motisma, Éperouillé, Mimigal, Charibari, Tournicoton, Frissonille, Smogo, Recherche Professorale et Yann Mega. Premier booster, nul déjà, premièrement. Donc, bof bof. Quand t'as rien dans un booster, tu sais que c'est pas ouf. Et que t'espères avoir des meilleurs trucs. Hop, deuxième booster. 1, 2, 3, 4. Allez. Énergie obscure, Tropius, Nigosier, Éperouillé, Lixi, Brindibou, Evoli, Morpeko, Mustéboué, Kélocroc et Torgamor. Déjà, je crois que ça c'était le même teen, donc ça veut dire qu'on a eu rien dans les 2 boosters du teen, donc c'est vraiment nul. On continue. Bon, je savais qu'on n'allait pas avoir des trucs de malade. Après, c'est pas fini encore, hein. Mais je savais qu'on n'aurait pas des trucs de ouf. Parce que c'est dans les tripacks et les coffrets Pikachu que c'est incroyable. Mais là, dans les mini-teens, je pense qu'on va rien avoir. Éperouillé, Balmasqué, Badaboin, Lixi, Hippotrempe, Yanma, Morpeko, Smogo, et oui, mais Sirolo. C'est pas ouf, mais c'est quand même mieux que rien du tout. Mais c'est vraiment pas ouf. En attendant, les gars, on a rien. En 3 boosters. Je pense qu'on va avoir peut-être une ou deux ultras. C'est nul, mais c'est comme ça. Je pense pas qu'on va en avoir plus. C'est la vie. Hop. Énergie. Oh. Luxio.
Badaboin, Bal Masqué. Ça brille un peu si vous voyez, mais je pense qu'on n'a rien. Kélocroc, Evoli, Hippotramp, Cacnea, Lixi, Volcanion et Torgamore. Voilà, je vous l'avais dit. Putain, on n'a rien, les gars. On n'a rien. Hop, on continue. Allez, au moins une ultra, wesh. C'est quoi ces boosters pourris? Le code, il est tout rapla. Hop. Allez, c'est parti. Énergie, Psy, Blancoton, Eflèche, Nigosier, Tournicoton, Frissonille, Smogo, Cacnea, Tournicoton, Frissonille et Torgamore. Wesh. Wesh. En fait, je disais une ultra, mais en fait, zéro. En fait, on va en avoir zéro. Super, hein. 2, 3, 4. Ça se trouve, c'est des boosters qui sont triés, etc. Et on a rien. Énergie obscure, Eflèche, Motisma, Éperouillé, Evoli, Morpeko, Frissoni, Charberry, Wistempo. Oh! Yveltal, Amazing Rare. C'est ma première Amazing Rare de toute ma vie. J'en ai jamais eu. Donc, franchement, c'est pas mal. Je sais pas si elles sont très rares ou pas. Dites-moi les Amazing Rares, c'est plus rare que quoi? Est-ce que c'est plus rare qu'une V? Est-ce que c'est plus rare qu'une Full Art? Qu'une Shiny? J'en sais rien. Parce que j'en ai jamais eu, c'est la première. Et je trouve que c'est vraiment rare. Même dans les ouvertures que je regarde sur YouTube, les Amazing Rares, c'est vrai qu'on en voit pas souvent. Hop. Le code, je sais pas si c'est ma préférée, Veltal, je pense pas. Mais c'est mieux que rien. Énergie, métal. Par contre, on a les mêmes énergies. Bal Masqué, Mustéflo, Bannière de la Team Yel, Wistempo, Mimigal, Lixi, Hippotramp, Yanma, oh, Morpeko Shiny. Ok, pas mal. Et oh, Belle de Neige, Holo. Ok, bon, ça va, ça va. Enfin, ça va pas, ça va pas. Il reste 3 boosters, et en attendant, c'est vraiment pas ouf. Genre, on a eu aucune ultra rare, parce que là, les 2 cartes qu'on a eu, c'est Amazing Rare et Shiny. C'est pas vraiment une ultra, genre c'est pas en plein écran, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, 1, 2, 3, 4. En plus, les cartes elles brillent à cause du flash, du coup on croit qu'il y a des trucs, mais il y a rien. Énergie O, Bal Masqué, Nigosier, Badaboin, Morpeko, Goupilou, Evoli, Tournicoton, Kélocroc, oh, Frissonille Shiny et Yanmega. En fait, on a que des petites, on a rien de gros, que des petites cartes, donc c'est pas ouf. Allez, ya. Hop. 1, 2, 3, 4. J'ai failli faire 5. Énergie O. Du coup, les gars, si vous voulez collectionner, je vous conseille de les acheter pour la collection. Mais si vous les voulez pas juste pour avoir des boosters, je vous conseille pas. Si vous voulez juste des boosters, c'est nul. Vous voyez le quota, il est pourri. Si vous voulez des ultra rares, allez acheter les coffrets Pikachu ou j'en sais rien. Evoli, oh, oui messire, ok, une V. Et je dis ça, je dis rien, mais les 5 premiers boosters, on n'a rien eu. Et là, les 4 derniers, on a eu des trucs de ouf. Enfin, pas de ouf, mais... Du coup, là, le 5ème, si on suit mon raisonnement, normalement, il y a un truc bon. Ça veut dire qu'on a eu 5 boosters nuls et 5 boosters bien. Hop, allez, on espère un truc. C'est le dernier. Un truc bien, s'il vous plaît. J'ai jamais eu de Full Art Shiny, Tropius, Motisma, Cracnoix, Smogo, Moustéboué, Lixi, Wistempo. Non, pitié. Non. Ok, j'aurais mieux fait de fermer ma bouche. Je vous montre ce qu'on a eu quand même. Aïe. Oh putain. Je vais tout faire tomber. Et la dernière. J'ai pas de protège-carte, mais je vais mettre dans mon classeur. En vrai, c'est elle la plus belle. Ouais. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et pensez au code créateur NSQ dans la boutique Fortnite. Ciao !